Messieurs, mesdames. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Nathalie Deschusco-Artaud. Aujourd'hui, après le capitalisme, après le communisme, je vous propose une nouvelle méthode. Elle n'a jamais encore été mise en œuvre. Le principe est simple. Vous travaillerez moins, vous gagnerez plus, les riches paieront plus d'impôts, les pauvres paieront moins d'impôts, on va taxer toute la bourse, on va immobiliser toutes les transactions financières, plus aucune société en France ne devra pas payer ses charges sociales. Nous serons là pour aller toquer aux portes, pour leur dire « Messieurs, s'il vous plaît, il est temps de passer à la caisse ». Nous serons là pour dire à Madame Bettencourt, pour dire à Monsieur je ne sais pas, vous êtes riche, vous êtes millionnaire, vous allez payer. Et après ce que François Hollande a essayé de faire, je vous propose, moi, d'aller même plus loin. Je vous propose de voir plus loin. Ce que je vous propose, moi, c'est plus qu'un président. C'est plus qu'un pays capitaliste. Ce que je vous propose, moi, c'est une France unie, solidaire, où même si d'ici à 5 à 10 jours, parce que ça va aller très vite, nous n'aurons plus de riches, car ils seront tous partis, c'est vrai qu'on va aller un, même si nous n'aurons plus d'argent, même si la France devra emprunter aux banques à un taux de 55%, car notre pays sera énormément déficitaire, je vous promets que ça ira mieux. Car messieurs, nous sommes français. Et la France, c'est ça. La France, c'est travailler moins, gagner plus. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, nous sommes français. Il faut quand même avoir quelques règles. Nous ne pouvons pas gouverner tout un pays avec un simple discours. Et c'est bien normal. Je suis d'accord. Le principe est simple. Nous sommes 64 milliards. 4 milliards de musulmans. Millions ? Millions ? Qui a dit millions ? Ah ! 64 millions. 8 millions de musulmans ? 8 millions de musulmans. 7 millions d'arabes. 8 millions de noirs. 7 milliards de juifs. Partout dans le monde. Car oui, nous sommes tous juifs. C'est inadmissible. Il y en a trop. Il y en a trop. Et nous allons faire très simplement. Nous allons rediriger toute l'économie française dans l'agriculture forestière. Et avec cette agriculture, nous aurons du bois. Et avec ce bois, nous ferons des allumettes et des bûches de bois. Et avec ces allumettes et ces bûches de bois, nous ferons des feux. Car il est temps de purifier ce monde qui ne va plus et qui est devenu malsain. Comment ça, j'ai pas le droit de dire ça à la télé? Mais bien sûr que j'ai le droit. D'accord. Ouais, ok. C'est bon. 4 millions d'Arabes. 8 millions d'Africains. 7 millions de Juifs. Messieurs, mesdames, la France est un pays d'accueil. Nous sommes là pour accueillir. Il faut donc que nous soyons accueillants face à nos frères, face à nos amis musulmans, face à nos amis sud-africains, ou nord-africains, ou ouest-africains. Nous sommes là pour nous soutenir. Messieurs, mesdames, si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour être élu le 12 mai prochain. Ce n'est pas simplement pour me faire beaucoup d'argent avec vos contributions fiscales. Ce n'est pas simplement pour sortir avec une chanteuse célèbre, avec des formes plus ou moins, comment dire, agréables. Non, messieurs, si je m'adresse à vous maintenant, peuple français,
c'est pour que vous m'écoutiez et pour qu'ensemble, vous et moi, nous allions de l'avant et nous réussissions à montrer au monde ce que la France était et ce que la France est toujours. Messieurs, mesdames, merci de m'avoir consacré 5 minutes de votre vie. Avec ces 5 minutes, plus une élection, un vote, dans 10 jours, je vous promets de vous emmener. Ouais, c'est bon, ils ont tout fait. C'est que là, les Français, tu leur parles d'exemple, d'unité, et puis c'est bon. On les a eu, les enculés.